Yep, les gens, c'est Verxios et aujourd'hui on se trouve pour une deuxième vidéo. Je vous ai déjà sorti la vidéo du Colosseum en début de journée. Et ça va être une nouvelle vidéo sur la nouvelle playlist, les astuces du jour. Donc ne quittez pas, ça va être oui sur l'Almanax, mais je vais vous donner vraiment beaucoup d'indications qui vont vraiment vous aider. Des choses que j'en suis presque sûr que très peu d'entre vous connaissent. Et franchement qui vont pouvoir vous rapporter pas mal de cam avec l'Almanax. Et voilà, donc on va continuer la vidéo. Donc je me suis fait un panda aussi. J'ai commencé à me créer... un panda pour faire du Colosseum avec mes trois persos. Donc là il est level 19, je l'ai créé il y a vraiment pas longtemps. Donc j'ai pris un petit stuff, ça sec, etc. Donc voilà, donc franchement j'ai pris un panda parce que je trouve c'est vraiment pas mal. Le rock surtout, vous voyez quand même 42 à 52 de dommage terre, je trouve c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc on va continuer à la vidéo. Donc ça va être sur l'almanax du jour. Donc aujourd'hui il faut de l'obsidienne. Donc moi je l'avais déjà en banque, j'avais déjà pas mal d'obsidienne en banque. Donc là vous voyez c'est assez n'importe quoi, les prix ont augmenté mais vraiment ils ont augmenté x5 puisque, enfin ça dépend après. Parce que x100 ça coûtait 60 000, 6 000 et 600 kama. Et là le prix a augmenté par 5, là le prix a augmenté par 6 voire 7 et là par 9. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment pas du tout les vrais prix là. C'est juste comme c'est l'almanax, beaucoup de gens ont acheté, du coup tous les prix ont augmenté. Donc je vais vous donner à peu près toutes les astuces pour pas tomber dans ce panneau, pour pas les acheter, pour pas l'acheter à ce prix, etc. Et pour vous faire des camas et pour que les gens qui ne verront pas cette vidéo ou qui ne sont pas au courant tombent eux-mêmes dans le piège et vous achètent vos ressources. Et vraiment vous pourrez vous faire vraiment beaucoup de camas. Donc là. Ok, donc voilà, donc là on fait la quête. Donc il faut répondre, demander son plan. Ok, parfait. Voilà, donc maintenant on va vous aller voir le vieux Théodoran Rax. Faut lui parler. Faites répondre que vous avez parlé à l'esprit. Et voilà, donc franchement ça vous a coûté même pas 30 secondes. 2 M7 de PEX, 12 000 Kama pour vraiment rien, parce que vous allez voir que ça coûte vraiment rien si vous achetez comme je vais vous montrer. Du coup voilà, donc c'est là que l'astuce va consister en fait surtout. Donc déjà faites l'almanax tous les jours, ça vous coûte vraiment rien. Et ensuite je vais vous donner un site. Donc vous avez maintenant l'adresse juste ici, donc je vous conseille de la copier et de garder ce site en mémoire pour vraiment y aller très souvent. Et en fait sur ce site vous allez savoir tous les jours sur tout le mois les dates de l'almanax. Et c'est vraiment pas mal du tout. Vous allez voir en fait toutes les offrandes qu'il y a. Donc pour demain comme je vois j'ai mis, ça sera 4 poils de yoke. Du coup on va aller voir combien ça vaut en HDV. Donc vous allez voir en fait, je vous conseille soit vous allez drop si vous avez une bonne team, soit sinon tout simplement vous y allez. On t'a fait. Après ça dépend vraiment du prix de la ressource, mais sinon ça vaut vraiment le coup. Vous tapez, voilà, donc c'est, si je me trompe pas, c'est quoi, poil de Yoke Firefox. Donc là ça coûte vraiment rien. Demain les prix vont multiplier par 3 ou par 4. Donc moi ce que je vous conseille, vous en achetez vraiment pas mal du tout. Donc il en faudra combien? Il en faudra 4. J'ai 3 persos donc ça m'en fera 12. Donc moi je les achète comme ça, je les aurai pour demain. Et ce que je vous conseille vraiment c'est d'en acheter en masse. Vous en achetez peut-être une centaine. Après faites attention au prix parce qu'ils peuvent être élevés même en HDV avant que ça soit encore sorti. Et ensuite vous allez à l'almanax, vous descendez d'une case. Soit vous mettez en mode mag, soit vous attendez le lendemain. Et quand vous avez vous avez pris pas mal de ressources ou quoi, vous mettez là et vous spammez vend par exemple les 4 poils de Yoke Firefox 12 000 Kama. Vous voyez, vous mettez ça et franchement ça marche vraiment bien puisque les gens achètent tout simplement. Ils ont un peu la flemme
d'aller en HDV. Du coup, ils arrivent et ils achètent directement les poils de Yoke Firefox. Et franchement, vous pouvez vraiment faire pas mal de bénéfices tous les jours avec l'Almanax. Je pense que vous pouvez faire facile plus de 100 000 Kama par jour avec l'Almanax. Je vous conseille vraiment de suivre cette astuce et franchement, en tout cas, de surfaites cette quête. Faites-la tous les jours, ça vous coûte vraiment rien. Vous gagnez des Kama et de l'XP très facilement. Donc allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gens. Donc n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Allez, ciao ciao tout le monde.